Bonjour à tous. Le livre que je vais vous présenter est Harry Potter et l'enfant maudit. Cette pièce de théâtre a été écrite par J.K. Rowling, John Chifani et Jack Thorne. J.K. Rowling est l'auteur qui a écrit toute la saga. Et cette pièce se déroule 19 ans après les Reliques de la Mort. Alors dans un premier temps, je vais vous dire que après avoir lu cette pièce, j'ai observé quelques difficultés à suivre parce que c'est un texte théâtral. Il manque plusieurs détails qui font le charme de Harry Potter. Je pense qu'il y a une grande différence qui est due à l'histoire, parce qu'elle a été écrite par Jack Thorne et non par J.K. Rowling. Personnellement, j'ai été très surpris de la chute de l'histoire, surtout pour le rôle de Delphi. Alors, les points que j'ai pas aimés, c'est dans un premier temps la rumeur de Scorpius qui est le fils de Voldemort, ce qui n'est pas du tout logique. Les deux fils, le fils de Harry Potter et le fils de Malfoy ne sont pas bons en magie, contrairement à leur père. Et le fait d'essayer de changer le passé, ça gâche un peu tout. Alors, il y a aussi le retourneur de temps, car dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, J.K. Rowling nous dit que 5 heures, au bout de 5 heures, le retourneur de temps peut être très dangereux, alors que dans ce livre-là, il recule de 30 ans, ce qui n'est pas logique avec le Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Il y a aussi un truc que j'ai pas apprécié, c'est que Voldemort, il a un enfant. Il a un enfant avec Béatrice Lestrange. C'est pas logique car Voldemort ne peut pas avoir d'enfant car il est né sous un filtre d'amour. Ça veut dire qu'il ne pourra jamais aimer une personne. Il ne ressent pas l'amour. Ensuite, les points que j'ai appréciés, c'est la venue de nouveaux personnages tels que le fils de Malfoy, le fils de Harry Potter et Delphi. Ensuite, la vie 19 ans plus tard des anciens personnages, comment est la suite de leur vie. Le personnage de Delphi m'a surpris. Il y a aussi le retour de Severus Rogue, pour moi le meilleur personnage d'Harry Potter et le plus important dans les anciens. Il y a l'apparition d'une nouvelle prophétie qui permet aujourd'hui d'avoir une nouvelle saga. Pour finir, malgré quelques déceptions, Harry Potter me donne et me donnera toujours l'envie de m'intéresser à cette saga. Et j'attends avec impatience un ou plusieurs suites.